Salut les champipodes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. On est dans mon jardin, on a reçu la Serflex, on l'a assemblée. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment pouvoir justement assembler cette Serflex une fois que tu l'as reçue, une fois que tu as préparé ton sol, on avait vu dans la vidéo précédente. C'est pas si compliqué que ça. Dans cette vidéo, je te donne quelques conseils, ça va être assez amusant. Bien entendu, c'est une aventure à partager en famille et tu vas comprendre, c'est vraiment un super délire. Une fois de plus, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour être averti des suites de cette expérience mauriesque dans le jardin, à mettre un pouce bleu, un commentaire, et dès que j'ai un moment, j'essaye d'interagir avec toi. Je te souhaite d'ores et déjà un très bon visionnage. Ça y est, nous avons enfin un moment pour pouvoir monter la mini-serre. Tout est dedans, je vais vous montrer l'intérieur du carton tout à l'heure. Voici l'endroit que nous avions préparé la dernière fois dans la première vidéo. Nous avions travaillé la terre en préparation justement pour la mini-serre que nous allons monter dans cette vidéo. Tout le monde peut justement faire ceci si vous avez un jardin et que la terre s'y prête. Et c'est pour ça que je vous encourage justement à contacter Céramica et ils sont de très très bons conseils. Moi c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. On va faire au plus simple comme si c'était vous ou un débutant qui monte sa serre pour la première fois. Alors oui, c'est avoir des morilles dans le jardin et c'est une expérience absolument super à tenter en famille ou bien avec des amis et devenir producteur de morilles, produire ses morilles pour sa consommation personnelle. L'idée est absolument fantastique. On se dirige vers le carton et on va justement regarder le contenu. Dans ce carton, on peut voir justement, Céramica nous a fourni une corde à linge pour pouvoir justement attacher tous les éléments une fois qu'on aura monté les arceaux. Céramica nous a aussi fourni deux lots de rouleaux de textile justement pour pouvoir couvrir la structure que nous allons monter avec les arceaux. Alors les arceaux, ils viennent justement comme ceci et nous, ce qu'on va faire, c'est comme on monte une mini-serre, on va justement les préparer à la taille adéquate. Ici, on a une mini serre de 5 mètres par 1, donc on a coupé les arceaux à 2,50 m. On a enfoncé entre 30 et 40 cm chaque arceau de chaque côté. Alors quand vous dépliez justement ces arceaux, faites attention parce que ça peut vraiment se détendre et ça peut agir comme un fouet, donc faites super gaffe. Et pour les couper, je recommande une pince toute simple. Une serre de 1 mètre de large par 5 mètres de long, ce qui est absolument suffisant pour une première expérience, produire ses morilles pour soi. On a commencé à monter les arceaux en fibre de verre, distancer tous les 50. Alors on a pris un repère et à chaque fois on a planté tous les 50 cm, on a planté nos arceaux. On n'a pas fini. Alors le conseil que donne Céramica, c'est toujours de doubler le pignon, donc mettre deux arceaux juste là et un peu plus loin on a justement une sardine, un piquet dans lequel on va venir accrocher la ficelle agricole qui va servir justement à lier tous les arceaux entre eux pour renforcer la structure. On voit ça commence à prendre forme. Là on a notre ficelle agricole juste là. Alors là, j'ai mon premier arceau témoin.
dont je me sers pour couper tous les autres à la bonne taille. Tout simplement comme ceci. Et sur une mini serre de 5 mètres sur 1, on en a eu besoin de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et encore 3, ça fait 12. Donc 12 arceaux pour cette serre. Là, on a avancé. Donc on a planté une sardine à laquelle on a attaché la ficelle agricole et on a connecté chaque arceau grâce à cette ficelle agricole. Et regardez, on a rigidifié la structure. Alors c'est chronophage, ça prend du temps, mais c'est absolument à la portée de tous et toutes. Il faut vraiment avoir une belle journée, tout comme le mentionne le guide fourni par Céramica. Ne vous aventurez pas à faire ceci par temps pluvieux parce que vous allez vraiment galérer et ça ne sera pas une partie de plaisir. Là, on prend le temps, on est dehors, on profite du beau temps et l'étape de la structure, elle, est finie. Donc on va pouvoir justement passer au feutre géotextile. Au feutre textile qu'on va mettre par-dessus ces arceaux. Là, on a déjà posé, juste pour voir la première couche de feutre textile. Voici la deuxième. Donc, il est très important justement que cette couche soit doublée. On les a juste posés côte à côte. Je vous recommande d'être à deux. Alors, il se peut que la protection, la bâche en textile soit plus longue. Alors, je vous recommande soit de la couper ou soit de trouver un moyen justement pour l'enrouler et la mettre de côté au cas où l'année prochaine, vous voulez faire une serre plus longue. Moi, ça va être le cas. Je vais trouver un moyen, je vais l'enrouler après les avoir doublés. Alors l'hiver, comme me l'a indiqué Céramica, il est important que cette couche soit doublée pour pouvoir avoir un pouvoir occultant. Justement, sous ces protections, ces feutres, ça sera le noir complet afin que le mycélium, lui, puisse travailler tranquillement. On va procéder à couvrir donc cette structure et une fois que j'aurai réussi à mettre ce deuxième feutre par-dessus, je vais procéder à fortifier ce feutre, à le maintenir en place en mettant des pelletées de terre sur toute la longueur. Toute cette longueur-ci, je vais à mettre de la terre, des pelletées de terre. Et ici, on va trouver un procédé, soit en mettant ce tuyau avec des planches afin de pouvoir avoir accès à ce qui se passe dessous au moment du printemps. Faire le curieux, voir comment évolue le mycélium, les pods justement. On a fini d'installer la mini serre. Comme vous pouvez voir dessous, demain on procédera justement à la mise en terre des pods. Alors derrière, pour fortifier la serre au sol, on a mis de la terre tout le long et demain on fera propre. La nuit commence à tomber. Ça commence à devenir un peu pénible, mais demain sera l'opération de mise en terre des pods. Je suis très content pour une première expérience. Ça a l'air pas mal du tout.
Alors demain, lors de la mise en terre, on enlèvera les quelques feuilles qui traînent, les petites branches. On fera les derniers préparatifs. Et comme vous pouvez voir, c'est très occultant, de façon à ce que le mycélium, lui, puisse profiter cet hiver. Alors oui, c'est la portée de tout le monde, mais soyez au moins deux, voire trois, la famille ensemble pour l'installation de cette mini-serre. L'opération de l'installation de la serre, la deuxième étape, est donc terminée pour moi. On la finira juste après l'installation des pods, mais dans la prochaine vidéo, ensemble, on va procéder à l'étape des pods et ça va être la plus intéressante. Ensemble, je vais essayer de partager avec vous cette opération et vous montrer quelle est à la portée de tous et toutes. N'hésitez pas justement à vous abonner pour être averti de la prochaine vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure les champipotes.